Salut! Alors pour ce deuxième tuto, on va parler des coincés. Les coincés, c'est quoi? C'est des endroits sur le corps où on peut coincer la balle. J'en montre quelques-uns, par exemple dans le cou, dans le creux du coude, sous le bras, dans le creux de la hanche, derrière le genou, entre les genoux, entre les pieds. Enfin, il y a plein d'endroits sur le corps où on peut coincer la balle. Et l'avantage des coincés, c'est que on peut commencer à jongler même si on ne sait pas faire ce mouvement-là, la cascade, d'accord, qui est le mouvement de base pour jongler à trois balles. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre à faire sans connaître ce mouvement-là. Alors, par exemple, le gorille. Le gorille, c'est une figure où on va coincer la balle sous le bras, comme ça. Donc à trois balles, on va venir coincer la deuxième balle sous l'autre bras. Et puis, pour se libérer de ce côté-là, on va lâcher la balle dans la main. Donc pour ça, on regarde bien sa main et on lâche la balle dans la main. Ensuite, on coince avec l'autre, et puis on lâche dans la main, et on coince de l'autre côté. Et on enchaîne comme ça. D'accord? Je coince, je lâche. Je coince, je lâche. Cette figure-là s'appelle le gorille. Après, on peut le faire également dans le creux du coude. Ça marche aussi. Je coince, je lâche, je coince, je lâche. L'avantage du coude, c'est qu'on peut aussi lancer avec le coude en tendant le bras. Je coince dans le coude et là, quand j'ai la main de libre, je vais tendre le bras et essayer de rattraper. Je pose et je coince. Je peux aussi lancer et rattraper en coinçant. Par exemple, je lance, je coince avec le coude. Je lance, je coince avec le coude. D'accord? Je peux aussi faire, par exemple, coincer entre la hanche et le bras, ici, je lance, je coince, je lance, je coince. Je peux coincer au niveau du cou, en lançant et en rattrapant. Voilà, il y a plein de choses comme ça à explorer qu'on peut faire soit en rattrapant, soit juste en coinçant et en lâchant, soit en lançant. Je vous montre un petit enchaînement. Par exemple, je vais coincer dans le coude, puis sous le bras, puis je descends en coinçant, en chevalier, en coinçant dans la hanche, puis derrière le genou. Ensuite, je peux coincer dans le cou, je peux lâcher et rattraper sous la jambe, par exemple. Vous pouvez comme ça explorer en changeant les niveaux. On peut aussi également, par exemple, imaginer des choses au sol. Si je coince la balle entre mes pieds, je vais pouvoir la lancer en l'air avec les pieds. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc, je vous invite à explorer ça, les coincer. Voilà, trouver plein d'endroits sur le corps où vous pouvez coincer les balles et puis les lâcher, les lancer, les rattraper. Voilà, à bientôt pour un prochain tuto.